vas-tu? Aujourd'hui, je te propose un petit voyage dans l'espace. Nous allons découvrir ensemble les planètes de notre système solaire. Et à la fin de cette vidéo, tu connaîtras le nom des planètes qui composent notre système solaire sur le bout des doigts et dans l'ordre. Le système solaire est constitué d'une étoile, le Soleil, autour de laquelle tournent 8 planètes. Alors il y a Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil et elle est très chaude. Ensuite Vénus, c'est la deuxième planète à partir du Soleil et elle est également très chaude. Elle a une atmosphère dense qui empêche la lumière du Soleil d'entrer. Ensuite, il y a la Terre. C'est la planète sur laquelle nous vivons. C'est la troisième planète à partir du Soleil et elle est unique car elle a de l'eau, ce qui permet la vie. Ensuite, il y a Mars. C'est la quatrième planète à partir du Soleil et elle est rouge à cause de la poussière et de la roche sur sa surface. Ensuite, Jupiter. C'est la plus grande planète du système solaire et elle a beaucoup de lunes. Ensuite, il y a Saturne. C'est une planète géante avec une grande ceinture d'anneaux autour d'elle. Puis, il y a Uranus. C'est une planète glacée qui tourne sur le côté. Et enfin, Neptune. C'est la planète la plus éloignée du Soleil et elle est également glacée. Il y a deux types de planètes dans notre système solaire. Les planètes telluriques et les planètes gazeuses. Les planètes telluriques sont des planètes rocheuses comme la Terre, Mercure, Mars et Vénus. Elles ont une surface solide et sont plus proches du Soleil. Et il y a les planètes gazeuses comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont des planètes plus grandes et plus massives et qui sont principalement composées de gaz. Elles n'ont pas de surface solide et sont plus éloignées du Soleil. Comment apprendre et retenir dans l'ordre le nom de toutes ces planètes? Je vais te donner une petite astuce. Retiens juste cette phrase mémotechnique qui te permettra de retrouver dans l'ordre le nom des planètes. Me voilà toute maquillée, je suis une nana. M pour Mercure, V pour Vénus, T pour la Terre, M pour Mars, J pour Jupiter, S pour Saturne, U pour Uranus, N pour Neptune. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mon astuce te sera utile. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !